Bonjour chers frères et sœurs. Salut aux amis de l'histoire. Nous continuons la série de vidéos que nous appelons notre contribution à la cohésion sociale. Et nous allons parler d'un sous-groupe Agni, les Ahua. Mais à l'origine, il faut savoir que c'était simplement un matriclan au sein des sept matriclans Akan. Et bien originellement, était au nombre de cinq. Par exemple, les Atiers ont gardé les cinq matriclans. Mais chez les autres groupes Akan, il y a un matriclan qui s'est scindé et qui a fini par donner en tout sept matriclans. Nous allons parler des Ahua et dire comment ils se sont dispersés dans l'espace et le temps et rappeler aux gens qui sont de ce matriclan-là et qui ne se souviennent même pas de leurs parents, de ceux avec qui ils avaient les mêmes ancêtres. L'historien va leur rappeler cela. Dans le Ndenya, dans la région d'Abangourou, Anyansoué a été créé par des Ahua. Ceux d'Anyansoué sont des Ahua. Eh bien, qu'ils sachent que dans le sang-vie, il y a aussi des Ahua. Les Ahua ont créé le village de Biaka, en pays Agni-Sang-Vie. Et ils ont créé aussi le village de Kofi Kro, toujours en pays Agni-Sang-Vie. Donc, Ahua d'Anyansoué, vos frères, ce sont les Ahua de Biaka et de Kofi Kro qui sont dans l'Agni-Sang-Vie. Vos frères, ce sont les Ahua qui sont dans la région de Tiassalé et qui sont dans les villages de Ahua et Ahuanou. Vos frères, ce sont tous ces villages Ahua qui sont dans la sous-préfecture d'Ara, mais excepté Ara, parce que Ara a été créé par les Ahali, notamment par Nana Anepani, qui lui est Ahali. Donc tous ceux de Abongwa, Kregbe, etc., qui sont des Ahua, ce sont vos frères. Et comme je viens de le dire, les Ahua de Ahua et puis Ahuanou, dans la zone de Tiassalé, ce sont vos frères. Sachez aussi, comme je l'ai dit, qu'à l'origine, c'est un matriclan. L'Enzma, qui sont du clan Ndjoafo ou Mahile, parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué, le matriclan Ndjoafo se scinde en deux. On a les Mahile et puis on a les Azawa. Donc ceux qui sont Mahilé là, ce sont des Ahua. D'ailleurs, chez les Tufu, on dit Aduana Abradé. Donc ceux qui sont Aduana là, ce sont vos frères. Ce sont aussi vos frères. Et ces matriclans existent ailleurs. Les Aladjans qui sont du matriclan Nantou au coin, ce sont aussi vos frères. Les Hébriers qui sont du matriclan Badoma, ce sont vos frères. Les Abourés qui sont du clan Asokopwe ou Ogumhive, ce sont aussi vos frères. Donc tous les Tuifo, Ashanti, Achim, Fanti, etc. qui sont Aduana, ce sont vos frères. Vous voyez? Mais au sein du peuple Agni, ce matriclan a fini par donner un sous-groupe important qu'on appelle Ahua. Ce n'est pas fini. Sachez qu'au sein des Baoulé, là, les Nanafoué, là, ce sont vos frères. L'ancien nom des Nanafoué, c'était Ahuafoué. C'est-à-dire donc ceux qui sont Ahua. Merci.
Ici le professeur Alou Kwame Rémy, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Oufouette Boigny. Cette université à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.